Bon, salut les gens, c'est Okonai, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu bizarre. On va tester de jouer en silver. En fait, j'avais complètement oublié que le mode flex existe dans League of Legends. Et en flex, bah, j'ai, je crois, vu que j'ai fait une ou deux games, soit des fois je joue avec un ami, je crois que je suis en silver ou gold en flex. J'ai toujours pas fait mes games de placement. Et je voulais voir si je peux jouer n'importe quoi en silver gold. Et si je peux carry la game, parce que juste farmer dans son coin c'est pas drôle. Du coup, qu'est-ce qu'on joue en n'importe quoi à la mid lane? Je pensais à une Soraka AD. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer de très très con? Une Janna AP? Testons une Soraka AD. Testons une Soraka AD mid pour voir à quel point avoir un champion inutile, parce que je pense que Soraka AD c'est de la grosse, mais de la grosse grosse merde. Voyons voir à quel point on est bon ou nul en silver avec un champion qui n'a aucun sens. On va prendre le petit bouclier, parce que le Gragas, s'il est jungle, il fait des dégâts magiques. Et un petit poke avec du scorch. Ils vont peut-être acheter un exécutionneur. Du coup, on va peut-être prendre une barrière. Du coup. Alors, c'est même pas. J'ai eu cette idée-là juste comme ça. Je n'ai absolument rien préparé, c'est-à-dire que je ne sais vraiment pas du tout jouer Soraka, encore moins AD. Et donc voilà, alors attendez, je vais quand même aller sur un site pour voir s'ils sont tous plus ou moins Silver Gold. Ah! Ah, il y a un plat de 4. De toute façon, je vais tryhard dans cette game, hein. Je veux vraiment voir si on peut jouer absolument n'importe quoi et on peut carry en Silver Gold pour passer à un niveau supérieur. Du coup, je vais jouer avec une épée longue. Hop, hop. C'est du poke Lissandra, mais j'ai envie de faire des dégâts quand même avec mes auto-attaques. Du coup, c'est parti. Alors, est-ce que. Putain, j'ai peur parce que, en vrai, si la vidéo pue la merde, si je suis en 0-8-0, qu'on m'insulte et tout, est-ce que je mets quand même la vidéo? Parce que là, en vrai, je pense que le Yasuo, s'il est fed, je ne peux absolument rien faire. Alors, par contre, ils s'en battent les couilles, hein. Je sais pas si elle regarde ce qui se passe, mais déjà Soraka mid. Dans le lobby, t'es en mode tu te fous de ma gueule. Là, je prends. Je pars AD avec des runes AD. Personne me dit rien. Je me serais fait insulter, mais en diamant en fait. Bon, en diamant, je pense que tu peux pas sortir ça. Hein. Ce serait un petit peu triché quand même. Donc là, vous voyez, je vais avoir un shield avec ma rune. Après, on s'en bat les couilles. C'est pas du tout un tuto Soraka AD. Ne faites pas ça. C'est juste un test. Ok, donc là j'ai mon shield, du coup je prends rien. De la merde, ok, Gragas stop. Je vais pas voir tout de suite, je sais plus ou moins où il est. Je vais pas augmenter mon W. Je sens que le Gragas est là, je le sais. Vraiment first blood là? Nice! Allez, redonne-moi un petit peu de vie. Ça marche trop bien. Ok, double. Ah, le Yasuo va être un problème. Le Yasuo va être un problème si j'ai même pas regardé les summoners de. Par contre, j'ai plus de flash. Donc s'il me e-flash, je suis pas bien. Oh, ouais, donc, nice. J'ai barrière au cas où. Dis-moi que t'es plus là, Gragas. Merci. Je vais me casser un peu vite fait, moi. On va se prendre ça. Vas-y, on va se prendre ça aussi. Pas grave, les control ward, même si c'est un Gragas, c'est un petit peu chiant. Surtout que Lissandra Gragas, en fait. Lissandra est un excellent champion à gank, en fait. Je veux dire. Si je suis Gragas, il faut que je gank la Lissandra parce qu'elle a un dash plus un root, en fait. Et ça, c'est trop trop fort. Comme Renekton, Pyke et tout, c'est des champions à gank, en fait. C'est des ganks très très forts. Pour moi. Elle peut pas. Non mais vraiment? Mais en fait, c'est excellent contre Lissandra. Le silence est trop bien en fait. Moi, bon, là le truc c'est que est-ce qu'on va pouvoir carry une équipe qui perd en fait? C'est ça le truc. Avec un champion poubelle. Parce que là, le problème c'est que je peux pas roam en fait, je pense. Hein. Je crois que je vais juste aller chercher mon niveau 6 rapidement et essayer de les heal vite fait.
dans certaines situations. Peut-être ce que je vais faire, je vais essayer de me feed sur la Lissandra qui a l'air vraiment pas ouf. Hein, on va se le dire. Ouais, j'ai vu Lux qui s'en va vers moi. Du coup, on va peut-être se feed sur la Lissandra. Quand j'ai mon Static Shift, là, je vais pouvoir aller aider mon équipe, je pense. Mais... En fait, chaque Q que je touche me redonne de la vie, en fait. Et si je suis full life, ça va me donner du shield. Ok, j'ai mon ult. J'avais pas vu l'Olaf. C'était chaud, mec. Ouf. Elle me donne son bleu, tu te fous de ma gueule? What the fuck? Oh, trop bien, merci, mec. Ah oui, c'est vrai que j'ai les modes Soraka. Personne donne le bleu, normalement, c'est insane. Hein. On va essayer de la tuer sous tour. J'ai bientôt les goals pour ma static shiv là. Ok, fallait pas que je int là. Je vais pas prendre mon heal, hein. Fuck that, hein. Je heal personne. Hein. C'est comme si je jouais merci. Non, je l'ai pas eu. Il me le fallait absolument. Par contre, là. Merde, merde. Il me fallait le kill. Il me faut une static shiv. Il faut que je carry la game qui part en couille. Non, je pense que je vais être assez. Oh merde, j'ai mon ult. Oh non, j'avais mon nul, peut-être que j'aurais pu sauver. Et là, vous voyez, avec le canon, j'aurais pu avoir les golds. Putain, j'ai une casse. Je vais peut-être devoir le heal, lui. Ça devrait passer, ça devrait passer. Est-ce qu'il peut se retourner? Ok, je vais prendre ça, moi. Oh merde, 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 merde. J'ai pas regardé, j'étais concentré à la top lane. Ok, le Yasuo est en 5-1-1. Le problème du Yasuo, c'est que bah, il contre les auto-attaques, quoi. Ça va être compliqué. Ah merde, elle a un ult. J'ai mon static shield. Oh non! Non! Y'a Gragas, y'a Gragas, je me casse. Non! S'il avait pas flash. Je sais pas, est-ce que quelqu'un a calculé le flash du Gragas? Parce que ça c'est trop important en vrai. Oh putain, merde. Merci, merci mec. A plus, à plus. Wouh. Par contre, 4 mid, c'est chiant là. Je voulais ignorer les mecs là, putain. Je vais devoir quitter. Hein. Je vais devoir aller à la botlane limite pour farmer. Aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Je l'aurais pas, je l'aurais pas, je l'aurais pas. C'est compliqué! Moi qui n'ai jamais joué Soraka, c'est chaud. Ouille. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Tu peux pas flash ou quoi que ce soit. Ok. Je suis désolé les gars, mais j'arriverai pas à carry celle-là. Est-ce que j'arriverai à la finir la petite popi là? Go 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 go. Vas-y, fais la fuir, fais la fuir, fais la fuir. Non! C'est Johnny! C'est Johnny! Qu'est-ce qu'elle fait elle? Mais je tape les minions, putain! Merci, c'est Johnny de ton aide. Non! Non! Je suis mort! J'aurais dû laisser la tour. Là c'est Johnny qui joue comme un ADC malheureusement. Elle a un ult hein, pourtant c'est dommage. Bien ça, bien joué. C'est une erreur qu'on voit souvent ça, des tanks qui jouent malheureusement trop à l'extérieur et qui n'osent pas engager. Il y en a d'autres qui engagent trop. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Il faut juste vraiment qu'il faut pas que je groupe avec lui. Le seul que je peux pas 1v1 c'est Yasuo.
Et s'il vient, bah, je gagne du temps, je farm. Et peut-être que mon équipe en 4v4 peuvent gagner contre les autres. On va tester de faire ça. Putain, c'est Liasu. Non, c'est Poppy. Putain. On le défonce. On le déchire. Oh, le stun qu'elle a mis juste pour qu'il fasse son ultime. Bien joué. Par contre, je fais mal, hein. C'est moi qui mettais les patates ou... Non, c'est pas moi. Chier, j'ai pas de ward. Putain, je tryhard ma vie en silver, putain. C'est pas normal, ça. Hop. Ah, tu joues avec des moliches, toi. Ah, ils inventent des trucs, les silver gold. C'est vraiment des génies. Je joue juste la tourne. Fuis. Oh là là, 2 tours pour un kill, c'est rentable de ouf. Et en plus, j'ai mon arme, c'est parfait. Non, cassez-vous. Ils font quoi? Fuyez, vous avez aucune vision. Juste hop, les gens. Faites un petit reset. Non. Olaf, calme-toi. C'est le Gragas qui est avec nous, hein. Il nous aide depuis tout à l'heure, c'est un mec sympa. Oh, attention, le double trap pour le triple stun. Oh là là, la Poppy qui ne pouvait pas jouer malheureusement, et Gragas qui s'est fait la petite... Ah ouais, par contre, oui, bah faut... Ouais. Oh là, mon dieu, mais les rotations, c'est un délire. Ah bah là, il m'engage, je suis mort, quoi. Du coup, je peux pas trop aller sur lui. Mais je cours vachement vite. Oh non. 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 Compliqué, hein. Elle a encore son ultime, d'accord. Ouh, ça pique. Malheureusement, oui, j'aurais dû prendre de l'armure, mais... Voilà, on voulait tester un build un petit peu différent. Aïe. Bon, en tout cas, si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à balancer des champions avec une façon de le jouer. Par exemple, Soraka full AD, Lee Sin full AP, j'en sais rien. Trouver un truc original qui peut être fun à jouer. Là, Soraka AD, c'est... Je me suis amusé en vrai. Juste Yasuo beaucoup trop fort. Et du coup, GG à l'équipe rouge. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à balancer des champions un petit peu bizarres dans les commentaires. Et on se revoit très bientôt. Ciao les gens, et à bientôt. Ciao, bisous.